Tout ce que je veux. Voilà. Bon, ben, bonjour. Bon, voilà, on vient de gagner 7. Ça a été très dur. C'est toujours spécial de jouer contre 7, vu que ça a été mon club de toujours. Donc, je suis à Montpellier, je suis le traître. Donc, c'est toujours difficile d'avoir les 7 en face, d'avoir le public 7 à côté. Enfin, ça fout un peu les nerfs à la fin quand tu te fais siffler par le public qui t'a soutenu pendant quelques années, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Ensuite, maintenant, c'est bien qu'on ait réagi par rapport à la défaite de Douai, parce que franchement, ça a mis les nerfs, ça faisait chier tout le monde. Donc maintenant, n'est pas dit que je fasse chier, peut-être. Donc bon, ça embête, c'est énervant. Donc c'est bien qu'on se soit remis dans le droit chemin avec cette victoire, c'était important. Je pense qu'on est sur le bon chemin pour recommencer à bien jouer comme on le faisait avant. Le score 11-9 ne reflète pas vraiment la domination qu'on a eu dans le match quand même. Mais bon voilà, après on va aller à Strasbourg, on va se régaler, on va se taper un bon déplacement de 18h, kiffer, pour aller manger de la choucroute, aller voir le marché de Noël, la petite France, on va se régaler. Et après on sera en vacances, on sera en vacances tranquille du 22-23 au 3 janvier je crois. Et voilà, et maintenant ce soir, ce qu'on va faire, c'est profiter de la... Un petit mot peut-être pour les supporters ce soir qui ont été un peu... Mais c'est ce que je disais il y a pas si longtemps avec une amie d'ailleurs qui m'a connu à 7, où à l'époque où j'avais 18 ans. Vous savez que moi j'ai toujours connu la petite piscine de 7 où il y avait 3, 4, 500 spectateurs et c'était blindé parce qu'il n'en rentrait pas plus. Mais moi franchement je m'en régale à Montpellier, bah, justement cet engouement pour le water polo, de voir qu'à tous les matchs, bah là c'était blindé, c'est extraordinaire parce que bon, moi je vais beaucoup voir jouer le hand, le rugby, le foot, le volley, il fallait que j'aille voir le hockey d'ailleurs. Et c'est extraordinaire la dernière fois quand je suis allé voir Montpellier Kill, de voir cette atmosphère où il y a tous les gens qui sont là, qui crient, qui hurlent pour soutenir l'équipe. Et de voir que nous aussi on a notre public, on a tous ces gens qui viennent nous supporter, qui viennent à la piscine. J'étais agréablement surpris l'été dernier où je me baladais sur les paillotes, où j'allais manger au resto, etc. Et tout. Et les gens venaient m'aborder, me disaient ah, dommage, bien joué la finale et tout. Et j'étais un peu espanté, je me suis dit il y a autant de monde qui nous suit, il y a autant de monde qui. Et donc franchement ça fait hyper bizarre du jour au lendemain comme ça de passer de quasi anonyme avec un sport qui est pas connu en fait, qui est pas super connu on va dire. Et de voir que les gens sont au courant, que les gens suivent, que les gens s'intéressent, que les gens sont contents pour nous, c'est vraiment extraordinaire. Je me rappelle l'année dernière, il y avait 2000 personnes, 2500 personnes qu'il y avait lors de la finale, c'était vraiment extraordinaire. Là encore, le public a répondu présent, ça fait énormément chaud au cœur, franchement, d'avoir des supporters. Nous manquerait juste une petite peña ou une petite tac-tac là, genre des Blue Fox, pour ça fait, mettre le feu un peu, puisqu'on voit qu'en fait, le public montpellierain réagit par rapport à notre état de forme, à notre état dans le match. Donc ben voilà, ce serait bien si on pourrait quand même avoir un petit armatin ou un truc comme ça. Ça fait plaisir. Et puis bon voilà, c'est vraiment agréable d'être soutenu, d'être suivi. Et ça fait encore plus chaud au cœur justement de jouer pour Montpellier. D'être à Montpellier et d'être soutenu en tant que Montpellier. Même en même temps, voisin c'est toi. Mais bon, après, comme on dit, c'est toi de naissance et de cœur. Mais bon, je suis Montpellierien d'adoption. Donc après, la région, le département, tout, c'est une grande famille. C'est mes racines, c'est pour ça que je voulais rester à Montpellier et pas aller à Marseille ni ailleurs. Donc voilà, donc je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à mes racines. Et voilà, et ça me fait plaisir de voir que j'ai ma place dans ce club et que je m'y sens bien. Voilà. Eh bien merci. Avec grand plaisir.